héros aux capacités multiples, 8 jeunes héros qui fréquentent la seule école de la ville de Chronopolis et qui vont vivre une expérience assez intéressante. Les espoirs d'un futur brillant reposent sur... Oh oui, bien moi j'ai pas envie d'être un héros. Pourquoi vouloir à tout prix que je sois extraordinaire? Bon, il n'est pas nécessaire de vous dire que Madame Ronchon ici présente le problème. Enfin, je veux dire, un des héros qui avance vers son grand et magnifique destin. Pas lui. Comment je peux réussir quoi que ce soit si je n'arrive même pas à contrôler mon pouvoir? Cette vie de héros n'est pas faite pour moi. Je le sais, mais tout le monde me dit que c'est un caprice de ma part. Oh, ma pauvre. Être un héros ne doit pas être facile pour tout le monde. Bon, après, c'est vrai que blesser sa camarade, ne pas savoir contrôler son pouvoir et être l'espoir ultime de sa famille, ça doit faire beaucoup. Après, moi, j'ai pas à m'en faire pour ça. Je ne suis pas un héros. Ma petite héroïne adorée, ton amie Samantha est là. Oh, maman. Et laissez place à la magnifique et super puissante Samantha. Et laissez place au magnifique et charmant narrateur qui va vous présenter Samantha. Une héroïne à la voix envoûtante qui n'a pas du mal à s'assumer face aux autres et qui pense toujours avoir raison. D'ailleurs, c'est une des particularités de son pouvoir. Quel charisme. Sam, tu sais que tu n'as pas besoin de toujours t'introduire comme ça dans la chambre. Et toi, tu pourrais être un peu plus motivée pour changer. T'es venue me faire la soupe, bien. Ah, s'il le faut, je le ferai avec plaisir. Toi, tu vas toujours réponse à tout. Je vois que tu me connais bien. Bon, sinon, la petite princesse veut bien me dire ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la réponse évidente à toutes les questions que je me suis posées depuis un certain temps. Je ne suis pas faite pour la vie d'un héros. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas parce que tu as fait une erreur que tu dois tout abandonner. Et puis, Célia n'a rien eu de grave. Je te rappelle que la première règle des héros est d'accepter de mettre sa vie en jeu. Donc, c'est pas ta faute. Non, mais il n'y a pas que ça et tu le sais très bien. Depuis que j'ai ce fichu pouvoir, je n'ai que des problèmes. Puis j'ai super mal à la tête. Mais ton pouvoir, il est super bien. Il faut juste que tu sois un peu patiente. Regarde-moi. Au début, c'était difficile aussi, mais maintenant, j'assure. Oui, mais moi, je ne suis pas comme toi. Il faudrait peut-être que tu aies un peu plus confiance en toi. Ben oui, bien sûr. C'est facile à dire pour quelqu'un qui est né avec cette soi-disant confiance. Ce n'est pas ma faute si la vie ne t'a pas gâtée. Si tu étais à ma place, tu n'aurais pas ce genre de discours. Tu veux que j'aie pitié de toi? Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Et arrête de tout le temps déformer ce que je dis. C'est ma faute maintenant, et c'est pas la peine de t'en prendre à moi, hein, ça ne te consolera pas. Et arrête de fuir la conversation. Moi, je suis ici pour t'aider. Je n'aime pas te voir comme ça. Si tu ne veux pas de mon aide, alors tu n'as qu'à rester dans ton coin. Non, je ne suis pas en train de fuir. C'est juste que quand je te parle, tu n'entends que ce que tu veux. Me dire ça à moi, alors que je suis ta meilleure amie? Ah bah oui, et bien en tant que meilleure amie, tu pourrais me laisser seule. Et si j'en ai pas envie? Mais qu'est-ce que tu fais à être têtu? Oui, je le serai jusqu'à ce que tu comprennes que c'est pas avec cette attitude que tu résoudras ton problème de pouvoir. Et si j'ai pas envie de le résoudre, et que j'ai simplement envie de me débarrasser de lui? Mais écoute-toi, Olive, tu tournes mais en rond. Quoi? Wow! Non mais j'y crois pas. Me perturber en pleine lecture. Bon, je crois que cette page ne va pas être de tout repos. Voici Lizzie, une héroïne pleine d'énergie qui, par cette compétence dans le domaine électrique et lumineux, nous met tous sous tension, compris moi. J'ai l'impression d'arriver au mauvais moment. Bref, j'ai fait une découverte super, hyper, giga incroyable. En fait, je me baladais sur le chemin vers le centre de programmation des pouvoirs, et là, je suis tombée sur une entrée ultra secrète que j'avais jamais vue auparavant. Et du coup, je suis rentrée. Je sais, c'est pas vrai. Mais j'ai pas pu m'en empêcher. Et du coup, là, je vois. Oui. C'est un message de... Lizzie. Je disais quoi déjà? L'entrée secrète. Une grande découverte. Ah, oui. Et du coup, quand je suis rentrée, je l'ai vue. Là, posée devant moi. Un énorme miroir super bizarre que j'avais jamais vu auparavant. Mais je pense que c'est le fameux miroir qui a été scellé fut en temps par le directeur de notre école. En tout cas, il correspond à la description faite par Madame Flèche.
Tu sais, on adore tes histoires délirantes, mais là, c'est vraiment pas le moment. Et puis, même si tu as vraiment vu un miroir, je te rappelle hein, que, selon Madame Flèche, le miroir magique a été scellé dans la 15e dimension, pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains. Elle a raison, cette histoire est un peu étrange. Mais je ne suis pas si folle que ça. Si vous ne me croyez pas, venez le voir de vos propres yeux. Si cette histoire et les rumeurs sont vraies, cela veut dire que le miroir peut peut-être m'aider. Olive, tu viens? J'arrive. Et voilà, il suffit de leur laisser tout un après-midi sans cours et sans mission pour qu'elles aillent traîner partout à la recherche d'aventures. Je m'attendais à quelque chose de fou.
Ça fait tellement de temps que les profs nous en parlent. Le miroir enchanté par-ci, le miroir enchanté par-là. Franchement, même l'amulette perdue était plus intéressante. On sait tous ici que ce n'était pas la découverte du siècle. Mais moi, je trouve que c'est super méga incroyable et que c'est toi qui vois pas le potentiel de cette merveille. Les amis, nous sommes face à un trésor qui est capable de réaliser des choses magnifiques. Et comme le dit la légende, face au miroir tu seras, toutes tes chances tu auras. En attendant ton trésor, il ne fait rien de super incroyable. Oui, bah il faut continuer à chercher. Ouais, c'est bon. Sam, tu te souviens de la mission 47? Ouais, mais oui, c'est la mission qu'on a eue en début d'année à 40 points bonus. Et qui nous garantit le diplôme héroïque, tu sais. Et on a raté à cause de... Je vous ai déjà dit que j'étais désolée. Et puis c'est la faute de Didi aussi. Elle a dit que c'était une bonne idée d'appuyer sur le bouton. Appuyer sur un bouton rouge avec une inscription qui disait « ne pas appuyer » n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une bonne idée. Elle a raison. Mais Ronnie, on ne devrait pas avoir de mission aujourd'hui. Je pense... que c'est un changement de plan, ma chère Samantha. Tu es de la partie ? Oh oui, aujourd'hui c'est mon jour de chance. Allez ! Mais Sam, le miroir. Oh, vous me tenez au courant. Et Olive ? Oui ? N'oublie pas qu'on a une discussion en attente. Oh. Bon allez, en route vers le chemin de la réussite. Tu vois, elle m'écoute pas. Ah, je suis de super bonne humeur. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Comme d'habitude, non? Je pensais que pour aujourd'hui, on pourrait... Ouah! Ça va? Oh, tu t'es pas fait mal? Oh non, c'est bon. Ah, oh, mais c'est quoi ce sol qui glisse? Leïla? C'est quoi cette entrée-là? Wow, ça a l'air trop classe. Je savais pas qu'il y avait un passage souterrain ici. Pourquoi on ne jetterait pas un œil? On pourrait trouver beaucoup de choses à manger, plein de jolis cadeaux. Ouais, enfin, tu te souviens la dernière fois qu'on a fait ça? Comment ça s'est terminé? Oh, tu sais, je crois pas que ça soit une bonne idée après tout, hein. Tu as peur? Non, non, je peux tout affronter, je suis super courageuse. Et voici un duo tout droit sorti du four. Qu'est-ce qu'on a là? Leïla, une héroïne très positive qui manipule le temps. Et Didi, une héroïne un peu maladroite, qui, elle, manipule les émotions. Bon, je vais aller chercher un paquet de chips. On va profiter du spectacle comique qu'elle nous réserve. J'y pense même. Il y est. Mais les filles! Qu'est-ce que vous faites là? Et vous, comment vous êtes arrivés ici? Vous me croyez si je vous dis que j'ai trébuché? Ta connaissance n'est pas une surprise. Oh, mais je tombe pas tout le temps non plus. Mais ce miroir, ce serait pas celui qu'on a étudié en classe? Ah, je savais que j'étais pas folle. Vous l'avez trouvé comment? Oh, je m'explique tout le moment. Ne t'en fais pas, j'ai la solution. Cela ne va pas prendre très longtemps. J'ai fait une découverte super, super, super incroyable. En fait, je me baladais sur le chemin pour prendre programmation des pouvoirs, et là, je suis tombée sur une entrée de trace de quête que j'avais jamais vue auparavant. Et du coup, je suis rentrée, je sais, c'est pas bien, mais j'ai pas pu m'empêcher. Et du coup, là, j'ai une énorme chance super forte que j'avais jamais vue auparavant. Je pense que c'est parmi les rares qui étaient, c'est encore par directeur de mon école. Du coup, il correspond à la description de la porte de la flèche. Oh! Trop cool! Et vous savez comment il marche? Non. Mais on sait que nos pouvoirs ont marché celui-ci. Pas vrai, Olivier? C'est ça. Après, peut-être qu'il faut essayer de le motiver un peu, je sais pas, moi. Eh, oh, miroir, est-ce que tu peux faire du bruit? S'il te plaît, fais du bruit, miroir! Un signe! Quelque chose! Miroir! Miroir, s'il te plaît, fais du bruit! Oh, ça marche! Si la chose dans le miroir fait du bruit, on va pouvoir activer la totalité du miroir et peut-être que ça peut m'aider avec mes problèmes de pouvoir. Donc, tu penses que le miroir peut t'aider avec tes pouvoirs? Je sais pas, peut-être. Je sais. On n'a qu'à poser des questions au miroir au sujet d'Olive pour voir ce que ça fait. Ok, je me lance. Miroir, est-ce que Olive va réussir à contrôler ses pouvoirs? Je pense pas qu'il puisse prédire l'avenir. On peut lui demander d'améliorer ses pouvoirs. Bonne idée, vas-y.
su aider Olive à avoir un super pouvoir incroyable. J'espère que le génie qui sommeille dans le miroir va se manifester. Vas-y, Olive, tu devrais essayer. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que je lui demande? Demande de changer un pouvoir. Celui de Ronnie. Bonne idée. Celui de Ronnie. Ouais. Bon, d'accord. Miroir enchanté, est-ce que tu peux faire du bruit pour que j'aie le pouvoir de Ronnie? Quoi ça? Oh, ça va rater. Oh. Ah oui. Olive, tu voudrais réessayer? D'accord. Tu as une idée? Le pouvoir de Sam, je m'en vais. Le pouvoir de Sam? Oh, d'accord. Miroir enchanté, est-ce que tu peux faire du bruit pour que j'aie le pouvoir de Sam? Question, mais c'est quoi ça?
Enchanté? Miroir enchanté? Mais non! Elle a dit, y croire, c'est la clé. Toujours être positif et penser à un avenir meilleur. Oui, c'est pas comme si on était en train de vous cacher quelque chose! Comme ce gigantesque miroir qui est juste derrière vous et que vous essayez de cacher de manière débile! Oh non, c'est la panique, Lizzie va nous tuer! On n'a pas réussi à cacher le miroir à cause de la maladresse de Titi! Et maintenant, Titi s'est blanchi, il sera allé, c'est une catastrophe! Tic-tac, on déstresse! Tic-tac, on déstresse! Tic-tac, on déstresse! Tic-tac, décompresse! Tic-tac, décompresse! Oui! Ça marche! On y retourne! Titi, pourquoi tu en dis toujours trop? Mais j'ai peur. Du coup, il fait quoi de particulier ce miroir? Il ne te rappelle rien? C'est celui que l'on a étudié en histoire des éléments magiques. Ah non, pourtant j'étais en classe comme vous. Oui, mais la seule différence, c'est que les autres écoutaient et toi tu t'amusais avec des stylos. C'est vrai, mais c'était pour le bien de la science. En cours d'histoire? Bon, bref! Du coup, c'est le fameux miroir enchanté et tout à l'heure, avec Olive et Lizzie, on a réussi à l'utiliser! Elles étaient là? Mais oui, c'est Lizzie qui a trouvé le miroir en premier. De toute façon, il n'y a qu'elle pour nous inventer des problèmes. Alors, réfléchis bien, mon ami. Ah, ça va, c'était une blague pour elle. Brisez la glace! Waouh! T'es en forme aujourd'hui! Mais vas-y, continue, t'as réussi à faire réagir. Eh ben voilà, un miroir aussi pathétique. Mais c'est parfait! Et Blanche, en fait, tu te souviens la dernière fois ce qui s'est passé quand... Didi, tu as encore utilisé ton pouvoir sans faire exprès. Mais je n'ai rien fait cette fois-ci! Hey, je savais pas que tu pouvais avoir... Alors toi aussi, Leïla, tu utilises ton pouvoir sans faire exprès? Mais non! Et puis moi, je suis pas comme toi, toujours en train de faire des bêtises! Qu'est-ce que tu as dit? Aïe, ça va choper! C'est pas le moment de discuter! C'est la faute de Blanche, c'est à cause de son pouvoir! Je n'ai pas utilisé ton pouvoir! Mais si c'est personne qui utilise son pouvoir, pourquoi tout le monde est bizarre d'un coup? J'en sais rien, mais... Moi, ouais, j'arrive à parler normalement. J'ai mal à la mâchoire, rappelez-moi de ne plus jamais rire de toute ma vie, là! Didi, je suis désolée, je voulais pas dire... La vérité! Alors c'est comme ça que tu me vois? Oui, mais Didi, j'aime tes défauts, c'est pour ça que j'en ai admis, parce que moi aussi j'ai des défauts qui ne me plaisent pas. Toi, des défauts? Mais je te moque de moi, madame. Plus égale plus. Le positif attire le positif. Moi, j'en ai plus, Yana. Je pensais pas que tu voyais comme ça. Mais tout le monde a des défauts. Et les aimer, les accepter est une force. Je disais juste que si tu étais un peu plus concentrée sur ce que tu fais, tu serais beaucoup moins maladroite. Oh, mais arrête un peu d'être toujours positive comme ça! Tout n'est pas toujours ensoleillé! Oh, tu ne sais pas ce que c'est que de contrôler cette maladresse! Et ça me demande encore plus d'énergie que de contrôler mes pouvoirs! Oh, je pensais que toi, au moins, tu comprendrais. Oh, tu as de la chance qu'on soit amis depuis longtemps, parce que sinon, je te jure que je... Wow! Détendez-vous, les filles! C'était drôle, non? Parle pour toi! Je crois que tu confonds torture et amusement, mon cher ami. Non, 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 laisse ça! Ouais, ok. Wow! C'était quoi, ça? Oh, sûrement une surcharge d'énergie! Et du coup, pour le miroir, on peut continuer de le motiver! Vous avez essayé avec vos pouvoirs? Les autres ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Ah, mais le mien, il est quand même puissant. Ton pouvoir ne va rien changer. C'est ce qu'on verra. Alors, gros morceau de plexiglas. T'as pas voulu qu'on brise la glace. Alors maintenant, on va te briser la face. Les gars, pense! Ça va aller. Vous avez vu ce qu'elle a fait? J'ai vu ce cas. Moi aussi.
rien demandé. Mais il a fait quelque chose, ça devient trop gênant, là. Mais pourquoi je vous sens dans la boulot? Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui ai arrêté le temps. Mais je comprends pas, moi, c'était les émotions. Et c'est quoi tout ce que vous ramassez? Je savais que le miroir, c'était pas une bonne idée. Oh, Lila, Lila et moi, s'il te plaît, Lila, 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 Lila. C'est trop, là, ton grand pouvoir. Oh, Lila, tu contrôles maintenant les émotions. Didi, c'est le temps. Blanche, qui porte du temps. Et Didi, ça puisse les autres à dire la vérité. Quel mélange sublime. Que l'histoire continue. Ok, Didi, concentre-toi. Tu as pu arrêter le temps? Tu peux peut-être le remettre? Ok, on va essayer. Didi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas, j'ai arrêté le temps et je l'ai remis. Mais Didi, c'est incroyable! Tu as vu ce que tu arrives à faire lorsque tu te concentres? Oui, mais j'avais super peur, Léa, tu sais. Oh là là, je suis vraiment désolée pour tout à l'heure, j'aurais pas dû m'énerver comme ça, tu sais, ça me ressemble pas. Moi aussi, je suis désolée pour toutes les horreurs que j'ai dit. Mais si tu veux rien que pour toi, je serai positive avec modération. Et si c'est le miroir qui me fait ça? Tu penses? Oh. Mais il a l'air tellement gentil. Oui, bah drôle de gentillesse, hein. C'est vrai que tout à l'heure, avec les autres, le miroir n'a pas agi comme ça. Donc c'est sûrement l'un d'entre nous qui fait une farce. Oh non, 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 non. Moi, j'aime bien faire des blagues, mais je suis pas magicien au point de changer vos pouvoirs. C'est peut-être un de nos pouvoirs qui est affecté que les autres. Ouais. Alors, je suis parfois maladroite, mais je te jure qu'il n'y a aucun problème avec mon pouvoir. Bon, vous savez quoi? Je ne pense pas que le remettre la faute sur l'un d'entre nous va changer les choses. Moi, j'en suis sûre, c'est le miroir qui joue avec nous, nos pouvoirs et nos sentiments. Je sais, je n'arrive pas à avoir de rayons de soleil dans le ciel, comme tout le monde, mais j'en suis sûre qu'il y en a dans le cœur de chacun. Et qu'on peut tous illuminer les uns les autres. Oh Blanche, ça n'est pas été si poétique. Non, je suis juste réaliste. Moi, je sais que je suis un gamin parfois. De temps en temps. Ok, tout le temps. Mais vous êtes mes amis. Et ça n'a pas de sens de se battre. Ah, je voulais vous dire un truc aussi, vous avez vraiment de super, super pouvoirs. Les amis! C'est le sujet d'Olivier, il faut qu'on lui parle.
parler pour la fin. Ouais, vas-y. Mais tu m'es très faible. C'est ça. Finalement, je sais qu'on veut mon bien-être. Et si je suis née sur cette planète, c'est que ma mission ici est déjà établie. Il faut que je suive le mouvement. Non, je ne peux pas être si faible que ça. Hein ? Mais, ce miroir ? Comment c'est possible ? Un miroir qui n'est pas arrivé ici par hasard. Peut-être qu'Élisie n'avait pas déliré au sujet du pouvoir de ce trésor. Est-ce que je fais le bon choix ? Olivier ! On a besoin de toi. Il se passe quelque chose de très grave. Quoi ? On ne sait pas quoi faire. Il faut que tu nous aides. Mais que faire ? Mes choix ne résultent qu'à l'échec. De tous nos professeurs, l'échec est le meilleur d'entre eux. Chaque coup que je reçois me rend plus fort. Même ceux des ancêtres ? Oh, hormis cela. Oui, j'ai peut-être le pouvoir de supervision. Mais ce que je vois en toi brûle de la même flamme qui m'anime dans chacune de mes missions. Tu penses ? Évidemment. Mais... Lizzie, ne ressens-tu pas la même chose ? Comment ça ? De mauvais présages ! Ah, maintenant tu dis... Une mission d'urgence ! Mission d'urgence ? Mais quoi, comment avez-vous été alerté ? Lizzie, Yoli, le temps n'est plus au choix ! Il faut qu'on y aille ! Attends ! Qui me dit que je vais être à la hauteur de cette nouvelle mission et que je ne vais pas refaire les mêmes erreurs ? Personne ! Tu me fais confiance ? Oui. Tu ne suis pas le mouvement. Tu fais juste ce qui te semble le mieux. D'accord, vous suivez. Je n'aurais pas dit mieux. Est-ce une scène ? Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai raté un chapitre ou quoi ? Oh non ! Ça a commencé ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le retour du pétrificateur. Avec toi et tes pouvoirs, on a des chances de s'en sortir. Ah oui, ce bon vieux pétrificateur, sacré vilain. Je me rappelle du jour où il a neutralisé la moitié de la ville, une vraie catastrophe. Mais comme dans toutes les histoires, la brigade Génoforce est intervenue. Mais c'est bizarre, je n'ai pas reçu d'informations au sujet de ton évasion de prison. Mais moi je ne sais pas si je vais y arriver. Oh là là, mais si je ne fais rien, je n'arriverai jamais à accepter qui je suis. Ok, je suis obligée de... Même si l'on sait que tu en es capable, tu n'es pas obligée de sauver le monde et de porter ce poids sur toi. On restera à tes côtés, peu importe ce que tu choisis. Ton bien-être passe avant tout. Olive, tu es géniale. Tu étais une super amie. Même si tu ne peux pas faire comme nous, on ne te jugera pas. Et promis, je ne me moque pas. Même si la vie est un chemin rempli de difficultés, rien ni personne ne doit nous enfermer dans une boîte. Mais vous n'étiez pas... Se chercher, c'est humain. Quand je pars à l'aventure, je découvre toujours une nouvelle facette de moi-même. Et c'est ça qui est cool. Tu m'as toujours suivi dans mes délires. Je ne vois pas pourquoi je ne te soutiendrai pas dans tes choix. Héros ou non héros, tu resteras toujours héros. On est désolé de t'avoir menti. Enfin, même si ce n'était qu'une mise en scène. Mais sache qu'on te laissera toujours le choix. Tu sais, je n'ai pas arrêté de penser à notre conversation. Et quand Lizzie est venue me chercher, je me suis posée... Ce n'est que quand j'ai parlé avec les autres que je me suis rendu compte que... moi, je ne voulais pas te comprendre. Enfin, plutôt nous tous. On a fermé les yeux face à ta tristesse et... Je pense que ce miroir nous aura donné une bonne leçon. Finalement, on ne sous-estimera plus les objets mystérieux qu'on trouvera à l'avenir. Hein ? Ouais, c'est bon. Grâce à toi, on a compris qu'on n'est pas destiné à devenir un héros, mais plutôt une personne unique. Directeur de cette tour, on voit comment il était retiré de la 15e dimension. Possiblement une
inconnu l'a emporté chez eux. Une chose est sûre, il faudra rester vigilant à l'avenir, car les aventures continuent pour nos chers amis. Enfin, jusqu'à la prochaine. Moi, j'allais faire une sieste. L'arme incendie ? Ouais, ça c'est l'arme incendie, ouais. Bon bah on évacue. Ça arrive souvent ou... Ça peut arriver, mais... Je sais pas ce qui se passe. Il y a un truc à sauter là, non ? Ouais, ça fait disjoncter. Putain, c'est...